Salut à tous. Alors, je vais vous montrer comment enlever des écrous qui sont rouillés ou alors des boulons qui sont rouillés. Là, c'est un écrou qui est pour tenir les disques. C'est un très bon exemple parce que je l'avais fait de l'autre côté. Et je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo là-dessus. Alors, pour enlever un écrou qui est rouillé, des fois même en mettant le dégrippant, mais par contre il faut mettre le dégrippant. Parfois même en mettant le dégrippant, et bien ça ne s'enlève pas si on essaye de tourner. Ce qu'il vous faut faire, c'est de prendre la clé qu'il faut. Comme là, bon, il faut un genre de cruciforme. C'est un genre de tournevis, mais en gros cruciforme. Du coup, on se met dessus. Là, il faut taper. Pour essayer de décrocher avec un marteau. Par contre, si vous voulez démonter vos disques, il vous faut un genre de tournevis. À chaque coup que vous mettez le tournevis, il dévisse. Mais bon, si vous l'avez pas, essayez avec ce système là voilà, une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez mis le dégrippant, que vous avez bien tapé, là vous pouvez dévisser. On va essayer de bloquer un peu. Voilà. Voilà. Comme on voit là, il s'est bien levé assez vite. Maintenant, il ne reste plus qu'à lever le disque. Et bien, je vais mettre du dégrippant et je vais essayer d'enlever le disque. Bon, la vidéo que j'ai faite, c'était juste pour enlever le... vous montrer comment enlever un écrou ou un boulon. Bon, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous.